Bonjour, on est le 19 décembre 2021. Bon, les magasins sont ouverts, on pourrait aller en ville et faire des derniers achats pour Noël, mais bon, j'ai décidé de ne pas faire. Alors, ouais, je fais un bon feu, alors il fait, tiens, c'est combien? 22 degrés, 44% d'humidité, moi bon, c'est pas mal. 11h20 et je me dis tiens, je pourrais faire une petite vidéo sur les confitures. Ouais. Alors du coup, bon, j'essaie d'être court. J'essaie parce que c'est pas mon point fort. Là, on voit quelques panneaux de bois. Ah, mais bon, j'essaie d'en parler plus tard. Ouais. Et maintenant, d'abord, hop, pour la vidéo. Est-ce qu'on peut... Ouais, il faut régler comment... J'espère que ça se voit. Alors... J'ai quelques pots de confiture là. Alors, j'ai quoi? Des cornichons. Légumes. Encore des cornichons. La bonne maman. Sans étiquette et encore des cornichons et encore un. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est quelque chose que, au moment où ça a été posé, je prends l'étiquette et je regarde qu'est-ce qu'il écrit dessus. Ouais. Ce sont souvent des revêtements de sol, mais aussi revêtements muraux, hein, la peinture. Alors, du coup, je prends des échantillons, je le mets dans un pot de confiture et je le ferme. Et après, j'essaie de le mettre dans des conditions qui sont dans la vie réelle. Hein. Ça veut dire parfois ça chauffe. Hein. C'est par exemple quand il y a les rayons de soleil qui rentrent ou en été, les sols, quand les rayons tapent sur le sol, ils peuvent atteindre 60 degrés. Hein. J'avais mesuré ça. Ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on croit. Ouais. Alors, bon. Maintenant, je vais faire un test que vous pouvez refaire chez vous. Hein. Avant d'acheter un sol, je vous conseille d'acheter de prendre un échantillon. Coupez un petit morceau, mettez dans un pot bien fermé, et après sur un radiateur hein, pour ouais, ça va plus vite hein, parce que c'est vous pouvez laisser aussi à l'air ambiante à 20 degrés hein, et là ça se produit beaucoup plus lentement. Ouais. Alors, hop, je vais faire un exemple avec cela. Ouais. Alors, on ouvre. Franchement, non, ça sent pas bon. Ça c'est, je crois que j'ai commencé avec le pire. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver là? J'essaie de dire, aller un peu plus proche. Alors, est-ce qu'on le voit là? Ce sigle-là, je pense que tout le monde connaît. On ne porte pas trop attention, mais à un moment où il y avait des gens qui ont alerté que l'air à l'intérieur du bâtiment est pollué, alors l'industrie a fait ça. Ouais. Mais bon, c'est malgré qu'il y a un A plus, hein, c'est pas un simple A, hein, c'est un A plus. Alors, il s'agit de quoi? Il est bon, hein, anthracite. Waouh, magnifique. Hein. Et tiens, on peut l'assembler, c'est un clic, hein? Bon, c'est dans l'autre sens là. Et j'ai mis combien de morceaux? 1, 2, 3, 4 petits morceaux, j'ai mis. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme. C'est le produit, et normalement, j'ai marqué quelque part la date. Ah oui, là. Alors, celui-là, j'ai mis. J'ai posé le 3 avril 2019. Ouais. Alors ça date depuis ouais. Qu'est-ce que
J'ai dit avril 2019, alors 2 ans et demi, hein, on va dire, grossièrement. Et même après 2 ans et demi, franchement, je ne voudrais pas avoir ça chez moi. Ça pue. Bon, après, quand on ouvre, après ça va un peu mieux, hein, mais c'est en permanence et c'est pas forcément nécessaire d'avoir des produits comme ça. Ils ont décidé que ça ne rend pas malade, hein, c'est vrai, c'est quand on a uniquement cette quantité-là, ça ne rend pas malade, mais on a plein d'autres. Hein, et c'est dans le mobilier, avec des panneaux en particules ou des choses comme ça, ou dans l'école, ou, ouais, c'est dans énormément de choses. Et quand on fait un cumul de ça, justement, à un moment, mon système immunitaire va être peut-être perturbé et ça peut provoquer peut-être des maladies si on n'entretient pas suffisamment son système. Ouais. Alors, bon, je vais un peu continuer avec des trucs moins forts. Hein. Ça, hop, la peinture. Franchement, neutre. Alors, là, non, ça, je sais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, un autre. Ils sont aussi. Et de nouveau un PVC. Beaucoup moins fort. Hein. Alors, il y a entre les dalles en PVC, il y a des différences. Hein. C'est il y a certains qui dégagent. C'est énorme, hein. Du coup, pour ça, je dis, faites le test, c'est important, c'est pour vous, à la maison, après. Là, j'ai un bois. Ça sent la résine. Est-ce que c'est la vraie résine? Ça, quelquefois, je ne sais pas, ça, c'est un bois massif, hein, on dirait. Mais, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire avec une certitude. C'est moi-même, j'avais posé ce type de pain plusieurs fois. Il est bon marché et assez joli, mais quand on regarde d'où il vient, et ça vient de très très loin. Alors du coup, aujourd'hui, je dirais non. C'est un choix que j'avais fait à l'époque. Hein, je regardais uniquement le prix et du coup, ouais. Qu'est-ce que... plancher en pain maritime. Je ne sais plus. A plus. Pain fabriqué en France. Kingfisher. Non. Je ne sais plus. Je peux rien dire là avec certitude. Alors, du coup, oui, ça sent quand même la résine, mais ça pourrait être aussi un parfum, hein, quelquefois, on ne sait pas. Hop. Là, c'est un parquet de Chine. Hein. Un contre-collé. Hop. Déjà là, il était entre-collé et avec une colle. Parce que le parquet, en général, il est collé au sol, hein, très souvent. Et là, il était dans des conditions un peu extrêmes à l'extérieur et la colle, elle n'a pas tenu. Alors avant, c'était collé ensemble et là, regardez, hop, hop, hop. Du coup, aussi avec les colles, il faut faire un peu attention. Le point positif, c'est au début, le parquet, il puait. Hein. Mais là, maintenant, franchement, il ne sent plus. Alors, du coup, au moment où on le pose, on est un peu exposé à des... parce que le bois qui vient de Chine, à cause du transport maritime, il y a une loi qu'il faut tout doit asperger avec un gaz. Ouais, et c'est une question pour la non-propagation des un virus peut-être, ou je ne sais pas, c'est en tout cas on le fait
avec tous les bois qui viennent de Chine. Et celui-là, il reste quand même, ils sont désagréables pendant un certain temps. Mais on voit bien là, il n'y a plus rien. Alors, et ça a été posé en été. Alors ça va, je dirais. Là, et, bon, ça c'est un autre produit contre-collé. À celui-là, je reproche. Qu'est-ce que je reproche? Ça c'est du chêne, 5 mm. Certainement, il était assez beau. Un clips, assez facile à poser. Là, tac. Hop. Assez beau, mais le. C'est pas un HTF, hein, c'est un MDF. Entre. Et c'est. Du coup, sa résistance est pour moi moindre. Alors, moi, je favorise toujours des trucs collés sur un HTF. C'est à haute densité, ça veut dire. Hein. Et en plus, il faut une construction symétrique. Ça veut dire, ici, c'est du chêne, hein, un chêne brossé. Je ne sais pas si on le voit là. Hein? Il existe en country, hein? C'est avec des nœuds, c'est quelque chose, ça c'est pas maintenant le bon modèle, mais il existe d'autres, hein? C'est un peu plus vivant, on va dire, hein? Parce qu'aujourd'hui on cherche avant tout des bois vivants. Hein? Non? Et celui-là, franchement, quand on regarde, il reste tout droit. Hein? Et un produit qui n'est pas cher, qui est toujours relatif, hein? Mais pour sa qualité, franchement, c'est un bon choix, je trouve. Oui. Ouais, je voulais parler en tout cas de ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon. Ah oui, un des trucs le pire, hein? Ça c'est. C'était dans une sauna, dans un hôtel de luxe, hein, et il y avait un problème d'infiltration d'eau. Bon, pour moi, le problème était avant tout, c'était plutôt un point de condensation, parce que les murs étaient habillés avec du placo, comme on fait souvent sur une structure métallique. Et partout là où il y a une prise ou quelque chose, l'air humide, hein, elle condense, hein, tout simplement. Ouais. Alors, du coup, ça sert à rien de mettre des produits d'étanchéité un peu partout, parce que quelque part, il y a un petit trou et ça va là-bas. Hein. Et tant qu'on a tout fermé, ça peut même plus sortir et on aggrave la situation. Et la pire des choses, c'est waouh, celui-là, je fais déjà uniquement comme ça, bah, c'est horrible. C'est un, ah bah, c'est une sorte de caoutchouc. Hop, là, on voit, ça reste bien élastique. Là, on voit encore la colle avec laquelle le parquet a été posé. Et ça. Ah, je peux dire où c'était, mais bon, intéressant. Personne, ouais, c'est quelque chose à pas faire. C'est les gens qui sont là-dedans tout le temps, on ne sent pas ce produit parce que tout simplement il y a le chlore et tout ça, c'est qui est dominant, alors du coup on ne le remarque pas. Mais c'est une chose qui est sûre, l'air est saturé à un moment de ça, et là je peux vous donner presque une garantie, c'est un perturbateur endocrinien chez est-ce que j'ai le livre là, mais bon, non, il y a beaucoup d'informations avec le bisphénol A, S et tout compagnie, c'est chacun peut faire sa propre recherche, mais bon, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'était de vous montrer comment vous pouvez faire un test facilement sans
avoir un laboratoire. Et si jamais vous voulez avoir un conseil supplémentaire ou acheter par exemple des bons bois, ouais, ah oui, je reviens quand même un peu parce que là, c'est. Est-ce que je peux faire une pub, hein, chaîne de l'Est, hein, c'est... Faut dire, ils ont des, c'est pas tout à fait du très bon marché, mais la qualité, elle est à la hauteur. Et pour un produit qui reste longtemps dans votre logement, bah, je pense qu'il vaut mieux mettre un peu plus de l'argent là-dedans que ailleurs. Ouais. Moi, souvent, je pose du chêne massif brut, hein, et que je traite moi-même. Mais bon, quand on veut une certaine teinte, après, on a aussi différentes... Je vais essayer de le montrer, là. Ça, hop. Ça, c'est ouais, un bois... ça, c'est un bois du chêne à peu près 14 cm, assez joli, 48. Là, et il est teinté d'une autre manière avec un peu de blanchi. Ça, c'était un produit d'Ilenio. Là en haut, j'ai différentes choses de chêne de l'Est. Hein. Et hop, là en bas, j'ai aussi encore quelque chose. Ouais. Alors, ça c'est un contre-collé, on le voit là, attendez, où est-ce qu'on le voit là? Ah oui, là, là on le voit, pas très bien, mais est-ce que j'ai un bois massif là? Ah oui, 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 là on voit, ça c'est du massif, hein. Et si on a la possibilité de le visser sur un support, ça c'est l'idéal, sinon collé. Et dans le choix des cols, il faut faire attention, il y a certains cols qui sont nocifs, toxiques pour moi. Et d'autres sont tout simplement pas très bien dans la durée, ça veut dire après 15 ans, ils sont tellement durs que on ça, il faut recommencer tout, ça c'est... pour un produit qui a coûté quand même une certaine somme, et si la colle ne tient plus, c'est dommage. Là, c'est un modèle un peu plus... oui, ça c'était un belge, hein. Ils font aussi des très beaux panneaux. Et hop, et là, on voit très bien que du bois, c'est du vivant, hein. À gauche, hein, ça me fait penser un peu à Edvard Munch. Ouais, c'est un peu sinistre, mais bon. Oui, bon, je pense que vous avez mon numéro. Alors, si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter. Sur YouTube, j'ai mis aussi quelques vidéos où je montre un peu le ponçage et différentes... ouais. Ah, allô? Et différentes manières de traiter le bois. Ouais. Allez, bon dimanche et frohe Weihnachten.